Bonjour VOD, comme d'hab, on commence sur un écran blanc et je suis navrée. C'est un petit peu fort. Chapitre 10 de Plague Tale, je vais cacher ma cam avant, je vous fais un coucou. Coucou. Et voilà, je cherche ma cam, toujours pas de raccourci, un jour peut-être. Sa gueule de fou! C'est parti! Pour la suite de Plague Tale Requiem, salut Gaël! Parce que tant que j'ai l'histoire un peu en tête, faut que je continue quand même. Oh, les écrans blancs, je suis vraiment navrée. Hein. Je déteste ça. Alors. En quête de réponse sur les rêves inexpliqués d'Hugo, la fratrie a retrouvé Sophia, explorant l'île. Ils ont découvert en son cœur une carte intéressante. Bon, pas intéressante du tout, une carte représentant la forme du symbole de l'ordre. Suivant cette carte, ils rejoignent un sanctuaire antique, possession de l'ordre des alchimistes. Là, ils participent à un rituel païen mené par le comte et la comtesse qui prient pour le retour de l'enfant et se voient comme ses futurs parents. Hugo et Amicia font également la découverte de l'existence d'un ancien porteur, Basilius, et de sa protectrice, Aelia. Cette dernière fut séparée de l'enfant et détenue dans un fort. Les deux runes suivent désormais les traces de leurs prédécesseurs, espérant apprendre comment sauver Hugo. Oh non, moi je veux pas le sauver. Je peux avoir un récap? Bah voilà. Voici le récap. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Du coup, on s'est sauvé du temple. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton voilà. Rêve, alors on cherche. Parce que on a compris que ça sentait un peu le roussi vu que ça appartient à l'ordre et des alchimistes qu'il y a de que l'on fuit. Décorations pour la fête. Je pense qu'il commence à ressortir le gamin qu'en tant que joueur, on a beaucoup envie de le sacrifier en disant franchement. Ça a l'air d'être un peu la fin des soucis, de le sacrifier. Alors pour moi, le son du jeu est assez fort, mais pour vous, je pense pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser pour moi un petit peu, et pour vous, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Légèrement. Eh bien, c'était... Ah, ouais, c'est bon. Ça a l'air d'aller, je pense. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Alors là, j'imagine qu'on cherche la tour où Aelia aurait été détenue. Ma mère est issue d'une famille riche. L'ancienne protectrice de l'ancien porteur. Mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent. Mais de ses péchés. Ça a pas tellement marché apparemment. Après, elle est peut-être encore en vie, hein. Et libre. Alors je me suis enfuie. J'ai rejoint mon père et. Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, hey, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. C'est bizarre, on dirait que les jambes d'Amicia, elles sont tout le temps un peu pliées. Elles sont jamais tendues, c'est bizarre. Comme des flamants roses. Non, pas du tout. Ah si, un peu. Alors, je ne sais pas du tout par où... cette tour mais je pense que le jeu... Ah bah on va peut-être essayer de passer par là-bas et le jeu va nous mettre un stop et va falloir faire des trucs. On va voir. Je cours parce qu'il faut vraiment à peine que j'appuie sur le joystick pour qu'elle avance. En ce jour, doucement. Adieu. Nous célébrons l'enfant des braises avec notre vie. Notre joie est l'unité du lien que nous partageons avec la mère. Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant de son profond sommeil. Bon madame, on peut vous aider? Puisse-t-il être amené à notre comtesse, la plus radieuse parmi les âmes radieuses, et remplir son cœur tout entier. La plus radieuse parmi les âmes radieuses. Oh là là, le melon! Célébrons-le. Mais de façon, le comte et la comtesse, je les sentais pas du tout, ça se voyait, ça se voyait. Ça m'énerve qu'il y ait un mur invisible ici. C'est très frustrant de voir une immense sortie.
Il y a deux gardes devant, mais qui ne t'empêchent pas de passer. C'est quoi qui t'empêche de passer? C'est un mur invisible. Alors qu'ils auraient pu mettre des gardes devant en disant « Hey, on n'avance pas. » Alors, je vais regarder mon inventaire. Retrouver la tour ronde. Ah oui, ah ouais, d'accord, je suis bien dans la merde, moi. Bonjour, madame, vous pouvez bien m'aider? Oh, la tour ronde, la tour ronde. Oh, ça va être chiant encore, va falloir que je cherche parce que je me souviens même plus de la map. Ah si, fallait que je... Je vais regarder un peu autour de moi. Le nom vient de là-haut. Une tour ronde, une tour ronde. Faut qu'on trouve une tour ronde. Je vais mettre un peu en hauteur et puis on va regarder. Là-bas, il y a un peu, on dirait une tour, non? Oui, il y a un peu un... Je suis pas sûr de moi, là. Je suis pas sûr. Ah, je peux courir plus vite. On va courir un peu plus vite. Parce que je pense qu'il faut que je reparcours un peu la map pour trouver une tour. Ah, on y est. La fête a vraiment commencé. On peut passer par là ? Ah bon ? D'accord. Ils ont encore l'air heureux. On est trop pressé d'aller à la fiesta ! Putain, je me dépêche ! Mais puisqu'ils avaient beaucoup d'espoir pour la guérison du gamin. Et en fait, ils se rendent compte que bah, là où ils sont, c'est au niveau. C'est le comte et la comtesse et tous ces appartiennent plus ou moins à l'ordre des alchimistes qui ont des projets un peu chelous pour le gamin. Donc bon. Pas la solution, quoi. Si j'ai bien compris, si je me rappelle bien. Je vais voir si je peux faire quelque chose avec les gens. Non, ils m'énervent. Non, mais c'est des champs beaucoup trop coordonnés. Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Oh, il vient de dire que les vieux c'est inutile, ça dégoûte. De se passer à voyager jusque dans tes rêves. Déjà jeuniste. Ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On trouvera quelque chose dans cette chapelle. Ok. On était déjà allé un peu, hein. Ligne de sang. Hugo, attends. Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander, t'es sûre de toi à propos de tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. De loin, on dirait qu'elle a pas de nez, la Miss. D'accord. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Ah voilà, profite, c'est mieux. On se connaît. Je parle pas de moi, mais je parle de Sophia. Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Vous êtes trop lente. Oui. Hey, sois gentille avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça. Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Oh là là, il sait rien faire, le type. Est-ce qu'on va jeter un œil à l'entour? Bah non. Bon, j'arrête d'être négative, là. Oh là là, je suis tellement négative. En fait. Excuse-moi. Mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma contrebandière. Un contrat royal? Quel honneur. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Là, par exemple, j'aurais bien dit au gamin, reste en bas, je veux fouiller. Je vais peut-être crafter des trucs, parce que là, je me rends compte que... Je sais plus. Excusez-moi, je cherche comment crafter parce que c'est fait longtemps. Ah.
Voilà, je suis full partout, comme ça je peux reloot. Je reloot aussi ce qui est en bas. Oh non, pff, ouais, hein, voilà. Donc le fait de me taper les actions avec toute la clique, ça me saoule un petit peu. Et là on redescend ? Ça me semble bien inutile. Oui voilà, c'est plutôt ça. Bah non, là je vais retraverser. Oh, tout a l'air de se casser la gueule. Attention en descendant. Oui. Ouais voilà, je suis redescendue. Ici c'était pas très utile. Non, mais au moins je le reloot. Voilà. Super. Attendez, je pense que j'ai loupé un petit truc. Bah en fait j'ai vu une entrée, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait des interactions avec. Allez, suis-moi. Là par exemple on peut se faire la courte. Hein. Bah, si je fais Y, on est d'accord. Ouais. Je peux pas passer là ? Si je fais Y, ça me... Oui, voilà, ça me repropose... Non, 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 je voulais pas. Elle commence beaucoup l'action avant de me laisser les commandes. D'accord, donc je peux pas passer par le... Le trou dans le mur. Je peux pas monter là. Mais pourtant, c'est... Enfin... Je pense que j'ai vraiment la possibilité de bien passer, en fait. Ça me sert à quoi de faire ça? Bon. Viens avec moi. Non, reste là, enfant. Bah, il faut peut-être que du coup je passe par une autre issue. Une autre entrée, une autre sortie, autre chose, quoi. Allez, descendons. Bon. D'accord. Mais c'est bizarre que j'ai même pas eu la possibilité de regarder à travers le trou qu'il y avait là-haut. Un peu bizarre, mais bon. Je pense que ça veut dire que c'est pas tout de suite que je pourrais interagir avec cet endroit. Je vais faire le tour de l'autre côté. Mais je peux pas. Ah, mais je peux juste pas. D'accord. Ah bah dans ces cas-là, il y a un truc qui va... Oui, il y a quelque chose qui va pas là. Ah, peut-être que... En premier, tout de suite. Ça me saoule d'être suivi par toute une colonie de vacances à chaque action. Surtout quand je cherche comme ça. Je voudrais que mon perso soit libre de ses actions. Allez, il est pas un truc qui lui colle à la main tout le temps là. Truc gluant et mou. Qui fait ah, gna, 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 gna. Positif. Est-ce que je peux lui dire d'y aller? Ah d'accord. Non mais c'est moi qui pas des os. Par contre, c'est pas les bons projectiles. Ok. C'est pour ça. Oui. Mais j'oublie à chaque fois qu'il y a une solution simple, c'est tout péter avec des cailloux. Pourtant, c'est une solution qui me plaît beaucoup, hein, qui colle beaucoup avec ma manière de résoudre mes problèmes. Je crois qu'on y est. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, allez, allons-y. Moi, je veux voir la suite. Moi, je pense qu'on pourra retrouver Aelia, voilà. À savoir l'ancienne protectrice. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En mode âgé. C'est déjà beaucoup moins attirant. Et qu'elle nous dira. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Ouais, ma théorie s'arrête très tôt. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mm-hmm. En route. En route. Et
tremblant, désolé. Ah bah c'est peut-être là que le chapitre 11 commence, parce que là ça sent bien la fin d'un chapitre. Ou alors le début. C'est peut-être le début encore. Bien dit. La Sophia elle est quand même embarquée dans un truc qui la regarde absolument pas et genre sans trop de raison quoi. Autant Arnaud, il a un intérêt. Et ok, c'est une connaissance d'Arnaud, enfin... Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, elle a quand même mis son équipage et son bateau à notre disposition pour aller là où on est, elle nous aide de fou, enfin... Je le sais. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi elle nous suit aussi facilement. Et tout ça à cause d'un rêve. Et je pense qu'il n'y a pas de truc caché, mais que voilà. Rêve a changé ta vie. Je trouve qu'on l'a... Le jour où je suis devenue adulte. In-game, on l'a pas assez fréquenté en tant que personnage. Dans le jeu, bon, ils ont passé tout un voyage en bateau ensemble, donc ils ont peut-être appris à se connaître, mais le voyage, il... Bien sûr. Je sais pas si c'était si long que ça, mais voilà, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de confiance très vite. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Ah, il va commencer à mater des boules. Allez, oh, bah, on doit rejoindre non, hein. De sa sœur, ou d'un moment, ça craint. On pourrait rester là. Ouais, j'avoue. C'est chouette ici. Je suis d'accord avec cette option. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. J'ai vraiment très envie d'un moment au bord de l'eau, là, comme ça, chill. Je pense qu'en fait, c'est mes envies dans la vraie vie et pas spécialement dans les jeux vidéo. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, je croyais qu'il allait dire je préfère les plumures. Ça aurait été une phrase de dragueur, de boomer de ouf, mais dans la bouche d'un gamin de 8 ans. Des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. Ah, oh, regardez ça. Ça, c'est... On va avoir un problème. Comment traverser ? Jetons un œil en bas. Ah, quel kiff. Ces petits panoramas que le jeu nous offre, franchement, ils font extrêmement plaisir et c'est... Il y a une certaine manière de faire ça, je sais pas, et que... Qui diffère un peu d'autres jeux qui vont avoir des graphismes très réalistes. Et là, je sais pas. Je trouve que les plans sont plutôt poétiques en plus d'être jolis, voilà. Mais c'est peut-être mon propre ressenti. J'aime beaucoup. Utiliser l'arbalète pour créer un lien. Ok, on va essayer. Je peux pas essayer. En fait, le... Il veut pas que j'utilise l'arbalète. Ah, c'est ça le point d'ancrage. Sorry. Peut-être avec mon arbalète. Avec un peu de chance. En vrai, j'aurais pu tirer direct la corde qui était roulée autour du truc. Il tiendra ? Évite de sauter dessus. Allez, monte. Waouh ! Regardez cette vue magnifique. La mer te manque. Excusez-moi, je regarde un petit peu. Mais ça reviendra. Le rendu. Il y a toujours les micro-lags, hein. Pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Ah oui. Je suis bien d'accord. C'est vrai, je m'en rappelle. Ah bah oui, mais c'est pour ça en fait. J'avais oublié. On avait tué un gars qui allait s'en prendre à Sophia. C'est pour ça qu'elle nous suit un peu aveuglément. J'avais oublié, désolé. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte.
Bon, je vois toujours des frises, hein. Je suis navrée. J'espère que dans le rendu, ça va. Dans la VOD, oh, j'espère que ça va. On doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Plus, il doit pas être là depuis très longtemps, hein. Parce que les moites, elles l'ont pas encore foutu en charpie, et pourtant, je pense que ça va assez vite. On monte. Oui. Avec ces bestioles. Ah oui, oui, bah oui, effectivement, c'est récent, ouais. Effectivement, effectivement, ouais, j'étais pas trop mauvais sur les prédictions, là. Il m'a fait transpirer, cet enfoiré. Faut vraiment leur apprendre la discipline. C'est qui? Je ne sais pas. Reste baissé. Oh, voilà d'autres. Il y a un ruban rouge. On n'a encore pas vu d'ennemis avec des rubans rouges. J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuis. Ah, ils sont rouges. Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Il y aurait des pirates. Je vais ramener celle-là. Compris. Les autres. Lâche-moi, sale porc. T'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Bon sang. Qui sont ces gens? Je dirais des esclavagistes. Oui, silence quand on a besoin de lui. Hein. Ah. Des gens et les vendent comme du bétail. C'est vrai, mais ça ne nous arrêtera pas. Oh, je vais tomber là. Je sentais bien, hein? Non, je crois pas. On essaie de me tuer très vite sans aucune explication quand même. J'ai aucune idée de qui je suis. Faut pas venir ici. Et mes poteaux là-haut. Arthur. Cachez-vous. Ah, je vous dérange pas? Je voulais aider, faut pas hésiter, hein. Ah ouais, puis on est en mode vraiment spectateur total. Je pensais qu'ils se seraient gâchés. Parce que bah, ils ont été un peu repérés en fait, indirectement. Frisson. Amicia, oui, je suis là. Tu es blessée? Je vais bien, mais ils sont prêts à tuer. Pas de temps à perdre. Oh, c'est rien. C'est rien, il y a R. Vous repartirez pas en un seul morceau. Hé, est-ce que ça... Ça en fait deux. Comment ça, nanana? Et au bout d'un moment, faut pas que j'utilise mon arbalète, hein, gamin. Vous vous cachez? On dirait vraiment qu'il s'enseigne. Hé, vous vous cachez ou pas? Hey, on s'en sort bien, ça va, hein? Dis donc. J'ai vu ça. Allez, par contre, il a une torche. Ah, il a quoi, une capuche? J'ai plus de poignard. Oh non, il est en train de se cramer tout seul, l'autre. Dommage.
Ça je prends. Du coup il me faut un poignard absolument là. Ça y est, vous êtes cuit. Mais non. Faut que je loue, je suis désolé. Quoi, je peux plus? Oh non! Il est où? Il est loin? Oui, c'est bon. Ça va. Bon, monter, même si ici on est plutôt tranquille, j'ai pas envie qu'on se repérer d'en bas. Du coup, on va être discret quand même, on va aller doucement. J'aimerais bien trouver un couteau. Pour me sauver en cas de petits soucis comme à l'instant. C'est un carreau? Un couteau, bah tiens! Mais... Eh. J'y me connais. Il a emmené la dame. Ouais. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Essaie de pas y penser. On peut pas l'aider. On verra. Essaie de pas y penser, effectivement. C'est comme les voisins d'un couple dysfonctionnel. Essaie juste de pas y penser. Bonne solution. Regarde. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. C'est eux. J'en suis certain. Oh mais je peux pas là. Je suis obligée de faire ça pour aller un peu plus vite. Hop, voilà, petite sauvegarde auto. Là, si je suis à l'étage, je serai une autre chapelle. En situation. Il va falloir le traverser. On doit trouver un chemin vers le fort. Avantageuse. Voilà, d'ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on peut pas contrôler. Je sais, mais si ça me permet de renverser le compte, je suis prêt. J'entends, mais je vois pas. Ah, là-haut. Préfère tout diriger. Et s'il a encore plus de pouvoir, ça risque pas de s'arranger. C'est pas faux. Mais... Ah. Que... Sortez votre trou. Oh bah c'est toi qui sors pas de ton trou là. Hein. J'ai envie de dire que le moins courageux c'est toi mec hein. C'est ton pote là hein. S'en fout de son pote. Ça dégoûte. C'est quoi? Non, c'est rien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'on est passé devant lui, direct. Tu veux des raccourcis un petit peu, toi? C'est rapide! Petit poignard, je sais pas comment. Ah! Il me propose pas! Là c'est chaud. Je vais courir. Je sais plus comment on fait. Bizarre. Suivez-moi. L'ennemi est là. Oh, je le vois pas. Par ici. Arrêtez-les. Ils savent qu'on est là. Non, sans doute, c'est un peu, mais hop. Allez. Ils sont là. Oh là là, le fait de devoir porter le gamin à chaque fois, hein, moi je vous le dis, hein, ça me saoule. Hein. Oh bah ça c'est une question hein. Je vois, enfin trouvé. Ils nous ont vu. Non. Je tente, j'avoue que je vais jusqu'au bout là, je... Ça fait de commencer. Le jeu, il est très gentil, je suis en normal, hein, je précise. J'aime bien la lucidité du gamin. Faut partir vite. Oui, merci. Ça aurait jamais dû passer. C'est parce que je suis en normal et là, j'avoue... c'était peut-être pas comme ça que j'aurais dû faire le truc. Je m'excuse un petit peu. Oui.
je crois. Pour l'instant. Mmh. Pour l'instant. Je sais. Et t'arrêtes, Mister Négatif, là. Remarque que je suis pas rien. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Ah, je pensais que c'était le gamin. Oh, c'est un lustre, je crois. Il a l'air sacrément lourd. La chaîne a l'air plutôt solide. Ok, du coup, il faut que, encore une fois, j'utilise... Ah oui, là-haut. Le système de harponnage, là. Mais comment je monte en... Ah, faut que je fasse le tour, ok. Fais vite, s'il te plaît. Compris. Je me dépêche. Grimpe. Bon, on a une corde ici. Ouais, ils savent déjà qu'on est là en vrai. Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. Y'a rien à looter ? Parce que... j'ai plus de... carreaux. D'arbalète. Et ça, c'est vrai que je commence à trouver ça cool, les carreaux d'arbalète en frais. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve ? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais... il m'a... oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Oula, moi aussi j'ai eu un gros freeze là. Enfin, un gros. Un freeze très visible, on va dire. Mais c'est la vie. Oh mince. Je pensais que ça nous mènerait un petit coffre, peut-être. Le jeu, il veut pas que j'utilise mon arbalète. Oh, ici. Voilà, ça, je vous laisse. Hein. Parce que je vais peut-être améliorer un peu l'arbalète quand même. Je peux pas, j'ai rien. Une nouvelle poche. J'ai 50, hein, il me faut 55. Non, je vais économiser. Même si punaise, ça me saoule de pas les avoir là tout de suite. Je vais économiser. Pour essayer de choper prochainement les 5 qui me manquent là. Il me manquait peut-être un autre compo là, l'autre que je sais jamais ce que c'est. Oh, voiture! J'ai plus de carreaux d'arbalète, je peux pas les sauver! Non, j'aurais pu tuer tout le monde! T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Je pense que lui, me dites pas. Hein. Je pense que c'est un méchant. 23h30, c'est trop tard pour partir sur les cubes, sachant que je suis mort hier dans l'end. Écoute, il jouait une petite heure, ça va! Le reste pour cette folle de comtesse! Faux. On travaille plus pour elle désormais. Attendez, je crois que j'ai reçu un truc. Hop là. Tout est dans les fresques. Il y a certaines personnes qui m'envoient un message, qui m'envoient des messages littéralement pour rien me dire. Comme ils ont les crocs. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant. Je comprends pas. Se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Oui, bon. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? Si tu me dis ça, reconnaît. Non, pas du tout. Non, justement, c'est. Il y a une personne qui m'envoie un message. Qui m'envoie des messages très très rarement. Et à chaque fois, c'est vraiment juste pour rien dire. Et du coup, je sais pas ce que cette personne recherche, c'est très perturbant. Bref. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Foutu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. Ah, c'est... faut réagir très 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 vite quoi en fait. C'est-à-dire que là il en reste plus qu'un qui pourra peut-être vivre. Je vais les aider. Ah enfin ! Mais bon, ils sont tous morts là en vrai.
Parfois, c'est mieux de pas savoir. Bah, c'est... Ouais, j'avoue, tu le fais tout le temps, toi. Je les tue plus vite que toi. J'ai d'attaquer les gens tout seul. Je t'interdis de tuer sans moi. Tu m'attends. Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Bah oui. Mais en même temps, en faisant ça, tu es des personnes, hein. Parce que bon, les esclaves, là, ils se prenaient un seau de rat dans la tronche en même temps, quoi. Ah bah, ils s'enfuient. Ah bah, bravo. Ah bah, super, hein. Génial. Bon. C'est des rats. Tu ne m'as jamais dit. Dis quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens. Tu serais parti en courant. Et moi, je voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Hugo. Je peux pas... Ah, voilà. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition. Comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir. C'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment guérir. On a un channel, on peut pas l'ox pour des messages louches, quoique. On doit des excuses à Sophia. J'avoue, quoique. Ah, mais il y a le droit, quand même. Privilège de modo. Vous pouvez me MP autant que vous voulez pour des messages louches. Sophia. C'est souvent pas plus louche que mes propres réponses. Oui. Eh bien. Restons pas là. Oui, hein. Alors, par contre, en vrai, est-ce que je peux courir? Non. Est-ce qu'ici, il y a des trucs qui brillent? J'ai pas l'impression, donc on va peut-être pas y aller, puisque ça va faire un long détour, alors que je peux pas courir, donc c'est un peu chiant. Ça va? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Qu'y a-t-il là-bas? Je sais pas, mais bon, je vais tirer dessus. Réflexe de gameuse. Non, c'est bon, j'ai déjà pas assez de temps pour moi. De quoi? Monte, tout de suite. Et tu racontes, Vanis? Va t'occuper de tes dents, toi. Je dis ça de manière agressive, mais je sais très bien que tu y es pour rien. Seigneur, ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. On pensait à passer les journées à 48 heures. Regarde. C'est... On viendra même, hein. Petit fou. Il y avait un enfant ici. Il n'y aurait que 3 jours et demi dans la semaine, un du coup. Un enfant esclave? C'est possible? Non, c'est pas possible. Vous voyez les réponses des fois. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il n'a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. Comment ils sont? Ah oui, si. Non, j'ai rien dit. Allez, viens, Hugo, allons-nous-en. En vrai, c'est peut-être une poupée ultra à la mode et c'était un autre enfant. Du coup, c'est moins grave. Une poupée, ok. Ok, ok, bon, bah pour le moment, on suit pas les traces les plus... comment dire... les plus encourageantes. Non. C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Saute doucement. On va les laisser pendre encore combien de temps, ces canards? Ils sont là. Restez baissés. Jusqu'à ce que les rats reviennent. Ah. Toutes ces années auparavant, Milo a fait
Il y a des gens dessus en plus. Sur le Didi, bah oui. Quelle folie. Avec le serveur, hein, ça fait venir un peu des gens et tout, hein. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. Ok. J'aimerais tellement vendre, hein. Ouais, si je tue un gars isolé de tous, ça les alerte quand même, genre lui là. Oui, ça l'a alerté un petit peu, je crois. Ils m'ont repéré, comment ils ont fait? Ils sont trop forts. Ah, je fais pas beaucoup d'efforts. Je vais essayer de faire tous les gars qui n'ont pas de casque, ça fait déjà des gens en moins. Mais les gars à casque, bah sans carreaux, je peux pas faire grand chose. On a des intrus. Sophia, utilise ton prisme, ça brûlera sans problème. Monte, là. C'est quoi? Je cours. Je sais jamais comment courir, parce que selon ma position, c'est... La touche permet de faire d'autres trucs en fait. Et comme tout. Ça peut. J'allais dire ça peut m'arranger, mais là tout de suite en fait ça m'arrangeait pas. Attrapez-les tous, les salopards! Mince, attendez, maintenant faut que je choisisse. Ils savent qu'on est là. Attends. Ils doivent se cacher dans les parages. Je me suis encramé un. Vite, faut que je cours, Et toi, peut-être que pas trop. Lui, il va falloir que je sois au moins le buter. Oh. J'ai trouvé soin. Faut que je change d'arme, j'arrive pas. Putain, je peux pas changer d'arme tant que je l'ai dans la main. Enfin, c'est un peu chelou. Attendez. Deux secondes, je réfléchis là. Tu vois pas que je réfléchis? Ok. Ok, c'est bon. Ouais. Par ici, ne laissez pas s'échapper. Ils nous ont vus. Ok. Ils m'ont vu ? Un cadavre ! Il y a un tueur qui rôde ! Chopez-les ! Ils savent qu'on est là ! Ah, je peux pas ! Je peux pas courir ! Ah, si je peux, mais voilà, ça voulait pas faire ce que je veux. Lui, je peux l'avoir ! Je me mets là, c'est juste qu'il me faut encore une fois 5 minutes pour sélectionner le truc. Oh, j'avais réussi! Ça me dégoûte. Ah, merde, je pensais mourir! Oh bah voilà. Il faut que ça s'arrête là, je fais n'importe quoi. Trasmodo, oui et non. Hein. Et surtout qu'ils sont, ils le sont à titre pratique. Ah oui, d'accord.
genre mon frère, mon copain ou Dilo, mais qui n'ont pas, voilà, j'attends pas d'eux qu'ils soient spécialement modérateurs. Ou Surf Moine aussi. Bon, bah tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. Ça te dégoûte. Petit couteau. Je t'en prie, Hugo, ne regarde pas. Oui, je t'en prie, Hugo, ne regarde pas. Mais d'où ça les alerte ? Ils entendent juste un petit. Oh ! En vrai, il y a plein de bruit là. D'où ils m'entendent ? Faut que j'aille où exactement là-bas ? Parce que bon, là, je suis pas fini, hein. Je suis pas arrivé, moi. Allez, allez, descends, descends. Oh ! T'as un sup ! Parfois la touche ne s'affiche pas et il n'y a pas vraiment de raison. Je peux pas passer par là, zut. Ah là on voit, je sais pas. Ah, j'avais pas vu ça. Let's go. Du backup occasionnel, des gens de confiance. Oui, exactement, exactement. J'ai rien vu. Quoi ? Ah. Oh là 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 là, j'ai eu un... Mais oui, mais c'est... J'espère que c'est la dixième. J'ai eu un... Une sauvegarde auto super chelou, moi aussi. Hein. Là, je suis cachée. Prends le coffre. Ah merde ! Oh bah je sais pas, hein. Écoute, je fais ce que je peux, moi. Ils vont se cramer entre eux peut-être, non ? Ah ils m'ont... La fois où je suis. Ah mince. En fait, je sais pas où j'ai aucune idée d'où je dois aller. C'est très très chiant. Arrêtez les intrus. Zut. Je suis dans l'eau, hein. Pour info. D'accord, mince. Je pensais qu'il fallait que j'aille par là, donc j'avoue, j'ai un petit peu foncé en me disant au moins j'en aurai le connard, et en fait, non, du coup, je sais pas où je dois aller.
Mais tais-toi, je cherche où on doit aller, c'est pas facile là, je comprends pas en fait. Attendre le fort. Peut-être qu'il faut que je l'atteigne discrètement, ce qui me semble assez chaud, parce qu'il y a quand même quelqu'un tout le temps devant. J'ai pas vu de sortie une fois, même au moins un truc que je pourrais déclencher que en n'étant pas repéré, j'ai pas vu, donc on va voir. Personne passe. Ces murailles sont anciennes. Il doit y avoir une brèche. Mais on devrait pas y aller. Bien d'accord. Il le faut. Ces atrocités ont forcément un sens. C'est quoi ? Ça doit être vous. Non. Sophia, utilise ton prisme. Captons un peu de lumière. Facile de vous trouver. Oh merde, il me repérait direct, ça saoule. Je vais laisser me tuer, je vais voir un petit peu. Allez! Je vais essayer d'être plus discrète, mais c'est pas facile là de traverser. J'arrive pas à trouver un endroit où je peux faire une distraction. C'est quoi ? C'était sûrement rien. Ça fait. On a des visiteurs. Oh merde ! Je pensais être à la limite. Allez ! Bah il crame son pote hein. Donc on voit un caillou. Voilà, et c'est pour ensuite faire ça. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Captons un peu de lumière. Merde, l'autre il se retourne tout de suite. C'est sûr. Hein ? Ça saoule. On a de la compagnie, faut fouiller partout. Sophia, utilise ton prisme. On va faire un beau feu. Il faut quelque chose à voir avec ça. On a de la compagnie, facile de vous. Oh putain! Bon bah je vais fouiller maintenant que je suis repéré limite. Parce que je trouverai la faille au moins depuis ici. Mais c'était là-bas en fait. Simplement. C'était pas là-bas en fait. Non, je suis pas là-bas. J'ai pas trouvé la brèche encore. J'ai pas encore trouvé la brèche, je la cherche. Ah
Allez, voilà. En cours. Mince. J'ai une playlist qui est constamment en route depuis tout à l'heure mais qui mute. Voilà. Attendez. Je me disais aussi mais l'écran il a l'air de bouger. Bah oui, l'écran bougeait bien. Ok. Il va continuer à venir jusque là. Bon. Bah s'il n'y a pas de brèche tout de suite, hein. Oula, il m'a vu, fait chier, je savais pas qu'il continuait à être recherché. Elle est où la brèche à votre avis? J'ai aucune putain d'idée moi. Ah, ça c'est une brèche ça. Essayons par là. Très bien. La danse, la musique, les fleurs, les moulins. Hé, hey, Hugo. Quoi? Je sais que c'est dur, mais tu dois rester avec nous. Oui. Ah, Grisou. Voilà notre passage. Ce fort est méchant. Il l'est probablement, mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Vérifie que plus personne ne respire. Ils sont juste là. Merci beaucoup, Trapil. Merci pour l'abo cadeau. Au petit Grisou, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ok. Nous sommes dans le fort. C'était fort fort relou. Les rats. Où Sophia fait des trucs, Sophia ? Bon voilà, on est quitte. Exactement. Je suis vraiment désolée, mais merci de l'avoir fait. Ouais. Pour un Noël réussi, n'hésitez pas à offrir un cadeau sur la Lox Télévision. Un sub. Promis. Continuons. Je vais dire un sub, j'ai dit un cadeau. Oh, mais j'ai pas assez de trucs. Pourquoi? Comment on fait ça? Je sais pas, moi. Je veux faire l'arbalète, ça se fiche mire. Bon, bah, je peux rien prendre de ce qui m'intéresse. Tant pis, tant pis. Y'a quoi en bas? Alors, t'as tout vérifié? Presque. C'est des méchants. Bon, je vais faire ça. Je vais faire bouger la herse. Inutile. On devrait y aller. D'accord. Oui. Oui, j'avoue, c'est inutile si ça fait bouger la herse. J'avoue, c'est inutile. Mais Trapil, y'a rien à faire. Papy, ça fait 2 ans, il me dit ouais, j'ai une idée du cadeau de fou. Mais t'inquiète, Trapil. Il y en avait encore un en vie. Tu fais des... Tu es là, tu fais des subs et tu modères. Genre, tu fais déjà tout. Hey, ouvre-nous, bordel ! En fait, tout. J'y vais. Cachez-vous vite dans la charrette. Il n'y a pas besoin. Il y a beaucoup.
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas croyable. Je vais lui botter le cul. C'est pas croyable, croyable, croyable. Oh, j'ai envie de manger du fromage et du pain. On a acheté un pain, il est presque pas de cuit, j'adore. D'accord. Et là, les gens, ils... On a de la chance qu'ils nous dénoncent pas. Hein. Parce qu'ils pourraient, pour être bien vus, essayer de se sauver. Waouh. Ils vont tous se faire bouffer. Elle est où, Sophia? Je regarde le chat, elle est partie avant, elle est pas montée avec nous, c'est ça? Il y en a trop. C'est moi qui les ai fait venir. Ce n'est pas ça qui emporte. Ah oui. Ah merde, réfléchis. Je regarde à moitié le chat, elle nous a pas suivi. Bon. Yo, Morfiu-Fiu. Et maintenant? Eh, hey, ici. Sophia, oh, tu es là. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui. Coincée, Sophia. Est-ce que tu vois une issue? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être. J'avoue, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Oh, quoi? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Chose est incroyable. Ouh. Ouais, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Non mais elle a un pouvoir, elle a un pouvoir, hein. C'est une mage, hein. Merci d'être revenue. Oui, merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois, mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Oui, il y en a là-bas, 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 laisse-moi faire. Je te laisse, Lera. Maintenant, et quand tu veux que j'arrête. Oui. Tu peux compter sur moi. Ok. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Alors, la chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça? C'est ça. Et on doit la franchir. Et moi, je vais dire d'arrêter, mais j'y arrive pas. Allez, ça voilà. Attendez, il y a un truc là pourtant. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Viens, tu peux lâcher. J'y vais. Que là, je peux y aller là? Je pourrais peut-être de là-bas. On va faire step by step. Plein de fois. Évidemment, question stupide. Allez, j'essaie de. Voilà. C'est bon, tu peux lâcher. D'accord. Ils tiennent. Enlève-moi ça. Bah réflecte, hein. Un réflecte. Oh les couillonnes, hein. Oh, pousse rapide, il bosse trop. Ouais, il a le temps de faire du cube un peu quand même. Un petit peu. Hey, hier, Trappi, on a testé Evil Dead, il était stylé. Ouvre-nous la voie, Sophia. Ouvre-nous la voie, Sophia. Je pense que le truc, je peux peut-être y passer en utilisant mes propres trucs.
Monstre vers nous. J'ai le temps de rien faire, je voulais en mettre un tout de suite. Merde. Ah, ça m'énerve, il y a un coffre et tout là-bas. Je vais essayer de le prendre quand même. La chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça? C'est ça. Et on doit la franchir. Alors, sinon, je peux faire ça. Ah, j'ai oublié. C'est ça? Oh, je sais plus. C'est ça, je crois. Du coup, après, je fais ça. Ah ouais, non. Là, du coup, je peux pas passer, c'est trop de feu. Je peux peut-être passer. Voilà. J'essaie, mais je peux pas te rejoindre. Merde, j'avais pas pris de carreau, fais chier! Bonsoir, Olivier Disney. Je connais la première version. Qu'est-ce que tu appelles la première version? Le premier opus de la licence, c'est ça que tu veux dire? Alors. J'ai absolument les loot là. Sinon jamais je vais réussir à level up mon niveau que je veux là. Ok, ok. Bah, je suis assez avancée après. Viens, tu peux lâcher. J'y vais. Donc ça va peut-être te spoiler un peu, je garantis pas. Bon, ici ça me saoule, j'ai pas d'endroit où je peux foutre le feu trop. Peut-être là. Et après je refais mon... Hop. Allez, avance. Oh mais elle est nulle aussi. Elle peut même pas avancer de deux pas, ça m'agace. Très chiant de passer ici, j'ai même pas de... De torche en fait, c'est très très lourd, j'ai un peu en trouvé mais... Ah faut peut-être que j'aille au second feu des torches, mais j'en ai pas vu. Je vais essayer d'aller au second feu quand même, on va voir. Est-ce qu'il est aussi difficile que le premier? Je me rappelle pas que le premier était difficile, je t'avoue. Celui-là il est un peu plus, je trouve. Mais il y a des niveaux de difficulté, moi je suis en normal. On peut le jouer en difficile, alors, peut-être en facile, sinon. C'est ça. Je sais même plus. Et puis, bah, y a aussi le fait que quand tu vois du loot, t'as un peu envie de tout prendre. Donc en fait, faire le jeu en mode normal, sans être comme moi, essayer de ramasser tous les coffres, je pense que c'est peut-être un chouïa plus simple. Mais bon, quand je vois du loot, là, j'ai envie, quoi. Oh, je vais voir. Ici, il n'y a rien, non. C'est bien. On progresse. Comment vous pouvez être aussi calme? Ah si, il y a des torches là-bas, j'avais pas vu. Ok, c'est bon, j'ai vu les torches. Ouais, les graphismes, au niveau des graphismes, il est très joli, ouais, effectivement. Effectivement, et il y a des très très beaux panoramas et tout. Ce qui est... Bon bah, et là, c'est... Voilà, on n'est pas dans un moment où on a des panoramas de fou, hein, c'est normal. Mais... Mais il y en a des très chouettes. Ok, du coup il y a des torches ici, c'est très cool. On va enfin pouvoir essayer d'y aller. Ça fait beaucoup de feu. Je vais nous ouvrir un chemin sûr. Ouais. Est-ce que je peux lui demander d'aller jusque là? Oui. Restez avec moi. Arrête maintenant.
Hugo le chouchou. Oh, Hugo la tête à claque, ouais. Chacun son... Chacun son rapport avec Hugo. Il y a un peu de team. Hein. Ah, ça bug complètement, mais voilà. Ok. Je sais pas comment je vais repartir. On va espérer que le jeu soit gentil. Et qu'il me donne une petite torche. On va espérer, hein. Je peux pas ouvrir, j'ai pas de couteau, je suis au fond du gouffre. Ouais, qu'il est chiant, hein, mais on l'aime bien. Ah, moi je l'aime pas. Hein. Dans le sens où je considère que si on l'avait sacrifié, ce serait sûrement beaucoup moins le bordel. Mais ça se fait pas, quoi. Bon, c'est quand même beaucoup le bordel à cause de lui, donc... Je peux pas ouvrir, ça dégoûte. Et puis le jeu te force à vraiment l'avoir constamment à la main. T'as même pas des moments où tu peux lui dire « Hugo, 2 secondes, laisse-moi, je vais là-bas, attends-moi. » Non, non, t'as même pas de ça, et ça c'est un peu dommage. J'aime bien, là par exemple, pour là ce que j'ai fait, j'avais pas besoin d'avoir Hugo qui me suit. J'aurais bien aimé avoir une interaction lui disant au niveau du feu « Tiens, je te laisse là, j'arrive, attends-moi. » Mais on peut pas. Et ça c'est assez dommage. Là, je sais pas comment je vais faire pour passer. Du coup, j'espérais que... Ah bah si, je peux peut-être faire ça, tiens. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Ça marche super bien alors que la source de lumière est cachée, mais c'est pas grave. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. C'est normal, t'inquiète pas. D'accord. Allez, on y va. Tiens, ouvre-nous un passage. Reste... Attention, la lumière est presque trop faible. Ne t'inquiète pas. La première version, je trouvais certaines parties beaucoup trop émotion. Là, t'en as toujours pas mal, ouais. On va dire que c'est pas trop ce qui me dérange. Mais on va dire que vraiment, la ferveur d'Amicia pour son frère et tout ce qu'elle fait pour lui, c'est à la fois mignon et à la fois... D'un moment, t'avais dit, faut arrêter les frais, quoi. Ok, ça m'avance pas, hein. Ah, il faut que j'éteigne le feu. C'est bon, j'ai vu ce que je vais faire. J'ai mis quelques secondes à comprendre, mais j'ai vu. Alors. Est-ce que ça suffit? Non, faut que j'envoie un pot, je pense. Je vais tenter. Mais non, c'est le mauvais truc qui est nul. C'est ça? Oh, je sais plus ce qui fait quoi. Oh, je sais plus. Ouais, c'est ça, hein. Attendez, je vais chercher. Oh, ça me dit plus. N'avancez pas. Mince, je sais plus ce qui fait quoi. Parce que c'est que des symboles, c'est très chiant. J'aimerais bien avoir autre chose que des symboles. Merde. Je sais plus. Bon bah je vais gaspiller des trucs parce que j'ai plus moyen. Je me saoule un peu mais bon, j'ai pas le choix. Ah non, ça c'est ce qui les attire. Ok, c'est bon, je me rappelle. Ça fait complètement tout buggy. J'ai plus de quoi. Mais attends, il manque un truc là. C'est ça qui éteint ? Bah ça marche pas alors. Ça marche pas alors l'extinguis. Ah si, c'est bon. Ok, c'est bon. Et voilà. Il passe au travers. Bah oui. Ouais, c'est le petit opportuniste. Bah, en même temps, hein, si le gamin il les contrôlait un peu plus souvent, hein. Une fois tu te fais bouffer par les rats. Mais moi j'aime bien les phases avec les rats. Par contre, j'avoue que je suis assez lassée des phases avec les soldats. C'est pas ce que je trouve... C'est un peu chiant à force en fait. Je trouve que le coup des rats, c'est ce qui fait que... C'est ce qui rend l'originalité à... Ce qui donne l'originalité au jeu. Et c'est vrai que bon, le coup de constamment devoir... Je peux pas.
D'accord. De constamment devoir s'infiltrer parmi des humains pour mille raisons, ça me lasse un petit peu. Je peux pas monter, en fait. Le jeu, il met un gros mur invisible. Pourquoi mettre ça? Ou alors c'est un bug, mais je pense pas. C'était un bug. D'accord, super. Qu'est-ce que c'est? Une bannière? Elle est bizarre, hein? Elle est trop bizarre, la bannière, hein? Allez, va, mec, là. Alors ça me saoule, là. J'ai mon câble qui s'enroule n'importe où. Voilà. J'arrive pas à me libérer. J'ai regardé du coup sur internet comment sa tête tournait, c'était intéressant. La tête de quoi, des rats? Il faut partir. J'ai pas compris. On parlait des rats juste avant. Ils nous tiennent. Avec moi. On a des visiteurs. Je vais me laisser cramer puisque là ça, je me suis fait repérer sans le vouloir. Ça va, faire un alou? Les rats, c'est gentil, tout plein. Oh oui, c'est bon. Alors, ils auraient amené ta fameuse protectrice ici. Les bestioles les plus infâmes, en vrai, hein. J'ai bien raté. Ah merde. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, mais tout à l'heure il y avait pas ce mec là en fait ici. Du coup bah j'ai été perturbée, j'ai commencé à y aller, il y avait du monde. Et vu qu'il était en gris, je l'avais pas vu. Gardez les rats loin de la chapelle. C'est juste derrière la herse. Ah oui non, en fait je suis du mauvais... D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai ajouté ça, tranquillou. Ça, là, il y a un mec là, mais je pourrais rien faire, j'imagine. Bon, je peux que le contrer. J'aurais peut-être pu le poignarder si j'avais eu un poignard, mais j'ai pas de poignard. Bon, on va descendre. Salut, Lulune. Désolé, j'ai des problèmes d'écriture. Ah, ok, bah écoute, pour le moment, t'écris très bien en tout cas. J'ai juste pas compris de quel sujet tu parlais tout à l'heure, mais sinon. Putain! Je suis malade. Ah, t'es malade? Elle l'est bouchée. Ils pensaient tous que Milo était fou. Mais regarde, ils sont revenus. J'ai aucune envie de savoir ce que ça fait d'être bouffé. Ça marche un peu trop bien. Ils ont pris plusieurs de nos hommes. Et du monde partout, hein. Ça va être très compliqué. Hein. Milo a intérêt à faire oui. Ça et vite. Détends-toi. L'enfant nous purifiera de tout ce sang. Enfant du sang. Il nous portera chance. Ouais, on verra ça. Mais non, il n'y a pas d'intrus, il y a juste moi. Mais moi, je suis très gentil. On a de la compagnie, faut fouiller partout. Je crois que je risque d'être vu. Puis il bouge pas du tout. Non, non, non. Bah, tout de suite. Bah ils sont après nous tout le temps en fait, hein. Chaque jour, de chaque heure, de... Hein, ça veut rien dire, mais bref.
Plus le nez qui coule. Mal de gorge. Mal à la gorge, ouais, d'accord. Je laisse faire parce que là, je sais pas par où passer, donc je vais tester. Mieux c'est de boire. Après, t'es encore malade, mais tu ne sais plus. Alors, je t'ai lu une première fois quand t'as dit boire. J'imaginais de l'eau. Je me dis, oui, c'est vrai que c'est bien de boire de l'eau, mais bon. Je vois pas en quoi tu te rappelles pas. Et après, je me suis dit, mais oui, mais, voilà. On parlait pas d'eau. Je suis trop innocente. Et fermez-moi cette gueule! Oh, t'as l'air occupé, mec. Hein. Je peux descendre peut-être là? Ah non, je ne peux pas. C'est bien Toto, ma mage. Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez près de... Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'éteigne les cheveux, les feux, au niveau de ça là-bas. Mais par où je me mets ? Non, non, j'ai aucune envie de savoir ce que ça fait d'être bouffé vivant. En vrai, si j'éteins le feu, Si j'éteins le feu, est-ce qu'il se fait pas bouffer en vrai ? Mais moi, je vais être en galère. C'est un choix cornélien. Quoi ici ? Je ne sais pas quoi que vous ayez déjà vécu tout ça. C'est encore pire ici. C'est toujours. Attends. Non, non, mais. Je cherche mon arme. On gonfle un peu ça. Ah, les rats, ils y vont pas. Allez-y, les rats. Il y a des méchants. Merde. Je pensais que ça marcherait, mais non. Crois-moi. Bah les éblouir, le problème c'est qu'il y en a 1000 quoi. Je peux en éblouir 4-5 et puis au bout d'un moment j'aurais plus de quoi. Hein. Et puis bah le problème quand tu les éblouis c'est que tout de suite après ils savent où t'es limite. Je préfère les buter ou les esquiver. Donc pas me faire repérer ou alors me faire repérer c'est pas grave mais au moins j'en bute plusieurs. Pour être un peu kiltrant quoi. Eux je pourrais les buter. Je peux l'éviter parce qu'à un moment le rouge il va à côté du l'autre là. Et du coup ça ferait 2 pour le frilin. Voilà. Mais le problème c'est que je me fais un peu repérer tout de suite après et ça c'est un petit peu chiant. Ah, le problème c'est que direct derrière moi, bah j'ai du monde quoi. Si tu veux prier, c'est le moment. Cadeau pourriture. On m'a foutu le feu. Gardez les rats loin de la chapelle, tant que vous le pourrez. Ouais, je peux la porter. Ils pensaient tous que Milo était fou. Mais regarde, ils sont revenus. Ça marche. Ça marche un peu trop bien. Ils ont pris plusieurs de nos hommes hier et pourtant. On peut aller là après. Faut aller voir. Il est mort. Comment ça faut aller voir et il y va pas? Oh, ça saoule tellement, y'a aucune raison. Il crame pas. Je fous le feu, il crame pas. Je fous littéralement le feu, putain. Impossible.
Impossible. Il est où l'autre ? Il est sorti, hein. On va espérer que Bi. Je visite parce que je sais tellement pas par où passer. Ils sont après nous. Oui, je sais. Lâchez ça. En vrai, je peux pas courir vite fait là. Moi, je peux pas. Non, il y a un tout petit peu de flamme là, je peux pas faire un grand pas. Mais c'est bien par là. Faudrait que j'éteigne le feu à cet endroit là précisément. Ok. J'ai à peu près une strat. Il faut juste que je sache par où me cacher à chaque fois que je vais faire ce que je vais faire. On commence la section, ça me fait peur. Ouais, j'ai couru. J'aurais pas dû. Crois-moi, c'était qu'un début. Oui, je sais. Hein. Allez, c'est grand plan, ça prend la tête. Donc voilà, je peux marcher ici, mais je peux pas courir. J'avoue, c'est logique. Enfin, que je puisse marcher pas trop, mais que je puisse pas courir, c'est logique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, ils auraient amené ta fameuse protectrice ici. Oui, essayons de traverser. Ils pensaient tous que Milo était fou. Je suis trompée. Lui saoule quoi. J'ai pas la meilleure strat, hein, je m'en rends bien compte. C'est quoi, circule. Je sais pas comment me cacher après ce que je fais là. Ils sont cramés entre eux. J'ai trop de chance. Oui, bah c'est ce qui arrive quand on tue des soldats. Hein. Oh, tant pis. En même temps, je suis peut-être pas obligée de les buter les deux là, mais c'est tellement tentant. Gardez les rats loin de la chapelle, tant que vous le pourrez. Compris. C'est juste derrière la herse. Personne ne me dérange. C'est entre l'enfant et moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà. Je me mets full en tout, comme ça mes loot seront utiles. Crie pas, toi! Ah, pas non, fais que gueuler. Ça suffira, je m'en charge. T'es fichu rat! Tout ça, c'était vrai. Je pensais que c'était une plaisanterie du fou furieux. Je rigole beaucoup moins maintenant. Bien, on doit encore franchir cette tranche. Ah. C'est ça.
Onigezu. C'est par ici, en tant que prisonnier. Repose-toi bien. Il était triste pour le moment. C'est Aelia dont on a besoin. Oh, j'avais peut-être un truc allumé ici et j'allume rien. Merde! Est-ce que j'ai eu un point de passage? Je sais pas. Mais comment je veux? Je vais me rendre compte que bon. Oh merde, je m'en sortais bien. C'est juste derrière la herse. Oh, ça me saoule. Bon bah comme d'hab, on va refaire ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il saurait amener ta fameuse protectrice ici. Oui, essayons de traverser. Donc là il y a des loot que je peux prendre mais pas trop. Un peu mage d'eau. Ok. Merde, on m'a vu. J'aurais pas dû me voir. Merde. J'y étais presque. Ici, j'ai défoncé quasi tout le monde aux elfes infiltration. En fait, le défoncer, ça va être super long. Ça va être super long et j'avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai commencé à essayer, à voir un petit peu ce que je pouvais faire. Oh, le temps de trouver les spots où se cacher en les attendant et tout. Parce que bah, j'ai plus de... Là, faut savoir que j'ai plus de carreaux d'arbalète et j'ai plus de. J'ai rêvé. Et j'ai plus de couteau. T'as le petit avec toi? Bah ouais, mais il fait rien. Il peut m'aider? Vraiment? Ah ouais? Là, je peux vraiment me servir des rats là tout de suite maintenant? Enfin, ici, ça me fait bugger à chaque fois. Je savais pas. C'est bon, ça suffira. Je m'en charge. Ils viennent droit sur nous. Avec moi. On arrête. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais essayer. Ça va être plus rigolo. Par ici. Arrêtez. Si j'y arrive un jour. Gardez les rats loin de la chapelle tant que vous le pourrez. Compris? C'est juste derrière la herse. Que personne ne me dérange. C'est entre l'enfant et moi. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai entendu le chef. Tout le monde en alerte. Et ferme-moi cette herse. Alors il saurait amener ta fameuse protectrice ici. Oui, essayons de traverser. Ah ouais, d'accord. En fait, faut que j'éteigne les feux. Ok. Imaginons j'éteins ce feu-là. Ah ouais, mais mince. J'y arrive pas ?
j'arrive pas. Voilà. Et j'ai toujours un problème. Mais c'est chiant de tout éteindre, la vache. C'est giga long, quoi. Ils sont après nous. Je vais essayer, hein, mais ça va être très long. Et puis, faudra me trouver un safe spot, quoi. Ah, ce passage me gonfle. Gardez les rats loin de la chapelle tant que vous le pourrez. Compris ? C'est juste derrière la herse. Personne ne me dérange. C'est entre l'enfant et moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous avez entendu le chef ? Tout le monde en alerte. Et fermez-moi cette herse. Alors ils auraient amené ta fameuse protectrice ici. Oui, essayons de traverser. Non, non, je ne peux pas. C'est tout ce que Milo était fou. Mais regarde, ils sont revenus. Ça marche. Ça marche un peu trop bien. Ils ont pris plusieurs de nos hommes hier. Et pourtant, les rats étaient moins témoins. Milo a intérêt à tenir tout ça et vite. Détends-toi. L'enfant nous purifiera de tout ce sang. Et nous portera chance. Ouais, on verra ça. Et vous tous, vous mourrez. Allez. Il y a trop de rats, ils sont trop nombreux, ils s'écoutent pas. Oh non, il est mort. J'en ai marre de ces sales rats. Ah, sale bête. Pourquoi les rats vont pas dessus, ça dégoûte. Ok, j'arrive plus à contrôler aucun rat. Salut Mogomin Dark. Je peux pas les contrôler eux. Mais c'est ridicule, ça a aucun sens, putain. Ça m'énerve. J'ai quitté trop tôt. Ah mais c'est qu'en fait je voulais pas que ça... Ah parce qu'il y a ça aussi, oh non mais c'est chiant. Il y en a au-dessus de moi. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez avec moi. Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Mais il y a du feu là. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Ok. Ça marche. Oh, d'accord. C'est là-bas, c'est ici qu'il fallait que j'aille. C'est là d'où je viens, non? Non, c'est là, hein. Oh, je sais plus, j'ai l'impression que c'est là d'où je viens. Ah oui, c'est là d'où je viens, merde. J'arrive pas à croire que vous ayez déjà vécu tout ça. Sophia, ouvre-nous un passage. Merde, merde, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Attention, la
lumière est presque trop faible pour mon prisme. Oui. Ouais, tu m'as sauvé la peau, trésor. Allez. Je t'en supplie, il faut que tu... J'essaie de viser au loin, je peux pas. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Et là, je peux pas faire avec celui-là là-bas. Ça m'insupporte tellement. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Oui, bah faut que je fasse ça, que je prenne une torche. J'ai reculé, je peux faire exprès. Je peux pas allumer. Arrête de gueuler. Ok, je peux plus passer, ça me saoule. Bonne nuit. À ceux qui vont se coucher, des bisous. Et si je fais ça, ils vont emmerder quelqu'un d'autre un peu là. Voilà. Trop chiant. Ok. Faut que j'aille du coup en face. Hein. C'est ça le truc que j'ai pas fait. Donc je vais essayer d'avancer. Si je m'y autorise. Ah. Voilà, c'est bon, je peux. Donc là-bas, j'ai lâché les rats trop tôt, c'est chiant. Il y avait un type ici ou pas? Il me semble que oui. Ou est-ce qu'il va y en avoir un peut-être? On verra. Absolument pas. Bien, on doit encore franchir cette tranchée. J'ai vu le truc bouger. Prudence. Il y en a trop, Amicia. T'es très limité, hein, quand même, gamin. Allez, on va peut-être y arriver. Voilà ça, et je vais jeter. C'est ça qu'il me faut. Ça, et je vais fabriquer. Ah, je peux fabriquer? Je peux pas fabriquer. Ah. Bon, ça me fait avancer un petit peu, mais pas beaucoup. On va essayer de passer de ce côté.
tout de suite. Accomplissez-vous, je vous en supplie. Voilà. Alors. Mais je suis très loin là. C'est très chiant. Ok. Je peux de nouveau repasser. Bon, essayez en tout cas. On est dans la lumière! Putain! Sérieux! Je suis vraiment dans la lumière là, c'est ridicule! Oh, j'ai pas eu sauvegarde auto, j'imagine! J'ai tout me retaper! Non! J'étais à. J'étais mes 10 ans, fin avril. Bah tu vois, tu me comprends maintenant, bro. Je veux voir où étaient les méchants. C'est quoi la vision de l'aigle déjà? Ça, c'est pas les méchants, ça, c'est les rats. Ça. Mais j'ai pas fait tout le monde, tout le monde. Promets-moi qu'on retournera voir maman et Lucas. Recule, 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 Sophia. Oui, je te le promets. D'accord, ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi il y a des rats? Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Hé, il y a quelqu'un ici? Bon sang, j'aime pas ça. Je savais que ça nous échapperait. Va les contrôler. Arrivé. Non. Ok. Je mets 3 jours. Voilà, un de moins. Quand il y a un mur, tu peux rien faire. Ah d'accord, je savais pas. Vous pouvez gueuler. Je m'en fiche. Je dois imaginer des choses. Je suis là. Allez donc. Ça pète un peu toi, hein. Oui, bah j'y travaille, exactement, exactement. Ça va pas du mieux. Je fais ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai. Bon sang, mort. Voilà. Le compo là. Effectivement, en contrôlant les raies, en les poussant en tout cas à venir au moins dans la zone, ça va vachement mieux. Hein.
Aujourd'hui, j'ai fait un test pour les allergies, c'est positif aux chachetiens et acariens. Ok. Ça semble effectivement assez commun, même si c'est chiant. C'est comme un cauchemar. Surtout si t'as des animaux. Peut-être que c'est un cauchemar. Pitié, reste avec nous. Oui. Chut, silence. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des courses et j'ai acheté des danettes de chocolat noisette. Et je pensais que ce serait du chocolat au lait noisette. En fait, c'est du chocolat noir noisette. C'est dommage parce que je préfère le chocolat au lait. Quoi ici? Des fragments! Oh, ça, il m'en fallait, non? Je crois, hein. On profite pour fouiller un petit peu, vu qu'on a un petit peu nettoyé la zone. Vite fait, hein, mais bon. Hop là! He's ok, he's ok. Désolé, Hugo, mais il y aura des jours meilleurs. Chut, oui, exactement. Ta gueule, Sophia. Je sais pas si les rats ils vont pas venir. Je suis pas sûr qu'il y ait une peau. Non, je le savais. Oh, elle est sympa cette cour. Sacrifié. Ah, c'est du comme sang. Des animaux. Pourquoi? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle. Avant, je fouille un petit peu. Est-ce que je peux courir? Ah non, mais je vais attendre de pouvoir courir pour fouiller parce que... Parce que ça va être très long et très chiant. Enfin. Oh, c'est... L'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Désolée. Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aélia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... sa fonction. Au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Une trace d'Aélia. Bon là je peux rien examiner j'ai l'impression. Par contre je vais peut-être pouvoir descendre. Je peux pas courir. Du coup, on a une Sophia un petit peu encombrante. Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aélia. Sophia, s'il te plaît. Une crypte? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. On va bien se faire enfermer. Je sens gros comme un boule, on va se faire enfermer. Elle a été attachée à Aélia en fait. Elle a été retenue prisonnière, captive. Oh, elle s'est enfuie peut-être. Au nom Tueri Omnes Tuendo. Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermée ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Je vais voir combien on est pour la VOD. Ça va bientôt faire 2 heures, il va falloir que j'arrête, hein. Après la cinématique. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. T'en es à ce point-là, vraiment, gamin? Encore ce symbole. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Non mais vraiment? Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte.
là qu'ils l'ont enfermé. Attends, c'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Tout. Le don d'une protectrice. Simplement. À une autre protectrice. Ouais. Elle voit tout ça dans Froid Rond. Ouais, hein, je pense que... ouais, elle extrapole un petit peu. Rien qui change de votre quotidien. Retournons à la carte. Retournons à la carte. Oh, ça va être chiant. Bisous, VOD.